Salutations les copains. Alors aujourd'hui j'ai bossé en ce dimanche de Pâques. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait 15 ans que je travaille en maison de retraite. Et je crois que je n'ai jamais eu un choc pareil aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à cause de l'ambiance générale du moment. Mais bon, voilà, je vais vous expliquer, ça sera plus clair. Donc le midi, en ce moment, tous les résidents mangent en chambre, à cause du virus, hein. Ils sont confinés aussi. Du coup, ça nous laisse plus de temps pour faire du ménage, pour être près d'eux, leur apporter un petit peu de soutien, les faire rire, ce que je sais faire assez bien, sans vouloir me vanter. Et donc normalement, à cette heure-ci, on est affecté au restaurant. Donc là, comme il n'y a plus de restaurant, on a plus de temps. Je viens de vous le dire. Donc vers 13h30, je suis arrivé dans une chambre pour débarrasser le repas. Et c'est dans la chambre de Madame X qu'il y a eu ce choc terrible. Hein. J'en suis encore sur le cul. Donc la télé est allumée sur la 6ème chaîne. Et c'est là que j'ai vu l'horreur, l'impensable. Donc moi je regarde plus la télé depuis 5 ou 6 ans. Mais à l'époque, il y a une petite série que j'aimais bien, qui s'appelait Scène de ménage. Enfin, ça me paraissait être la moins pire des séries du moment en fait. Moi ouais, j'aimais bien. Donc là, dans la chambre de Madame X, la télé allumée, je tombe sur Scène de ménage et là je vois, alors c'est pas les nouveaux couples ajoutés dans la série qui m'a choqué le plus parce qu'ils sont vraiment pathétiques, c'est Valérie Carcenti, c'est celle qui joue Liliane, vous savez, la femme de José. Et puis ben, elle a des petits nichons, bordel. Donc j'ai fait quelques recherches, en fait elle a dû subir une réduction mammaire parce que ces imposants nichons, mais magnifiques, plantureux, ils lui donnaient des douleurs importantes au dos. Donc du coup elle a dû faire une réduction mammaire. La vie est une pute.